où aujourd'hui dans le Bitcoin semble indiquer des signes de stabilisation, on a même l'impression qu'il nous parle. Achète-moi, ça fait une semaine que je stabilise. Regarde comme je bouge sensuellement mon summer body sur le Dance Floor Trading View tout en restant fixe au-dessus des 50 000 $. Et oui, c'est comme ça que le Bitcoin envoûte son client potentiel, telle une gogo danseuse sur la table. Elle bouge de haut en bas jusqu'à ce que le consommateur lui balance des billets. Et une fois les billets élancés, le client le sait déjà. C'est trop tard. Ces billets, il ne les reverra plus jamais. On va voir si c'est ça qui risque d'arriver au Bitcoin. Je proposerai également du Bitcoin en 3 jours lits, du 1 jour lits, du Unchained et du Ethereum Price. Et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va directement commencer par le 3 jours lits. Pour l'instant, on teste le top de ce range avec pas mal de retests dans le passé, une fois, deux fois, plein de fois. Ça fait depuis le 12 février que pour l'instant, ça fait office de résistance. Un breakout à la hausse pour rappel, je crois que c'était 80 000 $ d'après mes souvenirs. On va voir ça, hop, breakout à la hausse, ça ferait un petit 82, je suis fort. Sur le Pinterest également, on a pété deux niveaux plutôt importants à la hausse. Le premier, c'est ce niveau jaune, pas mal de résistance dans le passé, résistance. Enfin, d'abord, c'était un support, ensuite résistance plusieurs fois. On a pété à la hausse et donc ce niveau-là devient également un support. Et support encore plus important historiquement, regardez bien ce truc gris. Depuis 2021 ici, résistance. Et donc si on reteste ce niveau des plus ou moins 3,72 billions sur Binance, eh bien hop, reteste pour être toujours plus haut, en tout cas selon moi. Pour rappel, moi je trade une entrée optimale. On peut très bien monter 10 fois plus haut comme ça sur l'action price, mais c'est pas dans cette zone-là que j'ai acheté parce que c'est pas une entrée optimale. Dernière recherche, c'était plus ou moins dans cette zone-là puisque on avait pas mal de corrections sur le Pinterest. Ici pas trop, du coup c'est pas là que j'ai rechargé, mais bravo à ceux qui ont chargé ici. Certains indiquent également des divergences bearish sur le RSI, ce qui est vrai puisque là ça fait que descendre sur le RSI alors que là ça fait que monter. C'est vrai, mais en tendance haussière, c'est un peu risqué parce que c'est de la contre-tendance et souvent les divergences bearish en tendance haussière, ça ne marche pas très bien. Par contre, ce qui marche mieux en tendance haussière, c'est tout ce qui est divergence bullish. Ici, par exemple, ça descend, alors que là, ça monte pas mal sur l'action price. On va passer à la distribution des 50 $ sur BingX. Bravo la team plus qui a gagné de justesse, mais c'est la team plus une fois plus qui a gagné plus d'argent que la team moins. Le gagnant se print à l'écran et la question que tout le monde se pose, est-ce que lundi matin à 9h, le prix du Bitcoin price sera au-dessus des 51 898 $ ou sous ce prix, mettez simplement plus ou moins à la fin de votre commentaire pour gagner comme le gagnant du jour 50 $ sur BingX. Tapez dedans. On va passer en jourly en daily. Pour l'instant, attention, on a pété cette résistance à la hausse. On est pile poil dessus actuellement. Donc ça, c'est plutôt bullish puisque zone de recharge pourrait être toujours plus haut. Le souci, le problème avec ce range, même s'il n'est pas ultra moche, c'est quand même, selon moi, les retests qu'on a fait au nord et au sud. Regardez bien. Ici, on a fait seulement un seul retest au nord, c'est celui-ci. Et ici, on a fait au sud deux retests. D'accord? Une fois ici, une fois là. Plus il y a de retests, plus le range est fiable. Celui que j'aime bien, c'est la ligne du centre, puisque là, il y a pas mal de retests, joli support. Et quand on pète ce support, en effet, ça se pète bien la gueule. Scipio s'est plutôt bien débrouillé, c'est pour ça que je l'ai sorti. Il a annoncé un très beau short avant l'annonce des ETF. Il s'est également très beau long, et pour l'instant, pas encore de short. Je vous tiendrai au courant si il y a un short qui apparaît ici sur Scipio. En description, pour ceux qui s'intéressent, vous avez un petit rabais sur Scipio. C'est pas énorme, mais ça reste un petit rabais. Solo Pinterest est également très intéressant dans le passé. Pas mal de retests étaient bullish ici, puisqu'on était sur support. Ici c'était bearish, donc c'était pas très bon. Ici c'était bearish légèrement, ici également légèrement bearish. Et ici on a pété à la hausse, et donc logiquement ça fera nouveau office de support. Pourquoi je suis pas trop fan de ça? Non pas parce qu'on a pété ce truc à la hausse, mais plus à cause de ça. D'accord? Moi ce que je préfère c'est acheter des trucs comme ça, donc des dumps, plutôt que d'acheter des pumps. Ici les chances que ça monte jusqu'à la résistance suivante sont présentes, donc c'est pas farfelu de penser cela. Cependant, après une montée comme ça d'Pinterest, il y a pas mal d'argent quand même dans le game. C'est plus risqué, le risque est plus élevé de longuer ici par exemple, que de longuer dans cette zone-là. Autre perspective des ranges parallèles, c'est ceci qui marche toujours très bien. On a fait pas mal de retests dans cette zone, rejet à la baisse. Et là, on reteste ce niveau, un breakout à la hausse, hop, rote au niveau suivant, 58 000 $. Et là, pour l'instant, il galère un peu. Un rejet à la baisse pourrait nous mener jusqu'à environ ici, 48 655 $. Mais je répète, ici, je préfère trader les breakouts que les rejets, parce que les rejets, souvent, c'est un peu pile ou face, alors que les breakouts, souvent, c'est plutôt clean sur ce graphe. Un breakout, c'est-à-dire qu'on pète une ligne rouge, soit à la hausse, soit ici, à la baisse. On va checker un peu de Unchained Underground. Alors ici on a le stablecoin, Bitcoin stablecoin supply ratio sur le RSI. Et on peut voir que normalement le RSI c'est mal de faire de l'achat et de la survente. Donc longer quand c'est en bas et shorter quand c'est en haut, c'est pas très bon en général. Mais avec le stablecoin supply ratio, eh bien on peut voir que niveau backtest, regardez ça, toujours faire des backtests très important. On peut voir que le ratio est plutôt même très bon. Exemple tout bête ici, c'était de la survente sur l'action price, fallait acheter parce qu'on a fait à 58%. Ici, pareil, c'était de la survente, fallait acheter, il a fait un beaucoup de pourcentage.
Fail Signal, c'est le seul qui n'a pas fonctionné. Donc ici, il a dit de vendre, alors qu'il fallait pas vendre. Ici, il a dit de vendre, alors c'était marqué 6%, mais on a fait un 8% à la baisse. Ici, un nouveau signal de vente, on est sorti de la zone, on est rentré à nouveau, et c'est ici que le signal s'est déclenché, pile poil sur ce range. Et souvent, quand ça range comme ça, eh bien, les débutants traitent les bull flags, c'est-à-dire on fait un truc comme ça, ça fait une sorte de retest au top, retest au bottom, etc. Et un bull flag est censé partir à la hausse. Donc ce que font les gens, c'est ils trade ici, ils font un long, ils mettent le stop loss légèrement en dessous du bull flag, et vous savez ce qui arrive par la suite. Donc le prix va toujours chercher à détruire les débutants. Ce qu'il risque de faire ici, c'est soit péter ici à la baisse pour détruire les stop loss. Je sais pas si on voit ici votre stop loss péter. Ensuite on monte, ou bien directement péter à la baisse. Mais ça m'étonnerait, puisque là, il y a quand même pas mal de liquidité au nord, je pense. Donc on pourrait faire un top ici à la baisse, etc. Mais en tout cas, selon ce sell signal, ce qui risque d'arriver, c'est ici un pétage à la hausse. On fait genre que ça continue à monter, et ensuite, sélection naturelle. Pour encore plus de trading underground, jusqu'au 29 février 2024, vous avez un mail underground trading par semaine gratos. C'est à vie pour ceux qui viennent avant. Pour ceux qui viennent après, il faudra payer, tu vas te donner l'agent. Mais au moins, je suis sincère. J'ai mis le lien en description, undertradingcryptosauce.fr. Et je répète, c'est gratuit à vie pour ceux qui viennent avant le 29 du 2 et payant pour ceux qui viendront après. On va passer maintenant over on Ethereum. Là également, on a pas mal de trucs positifs, notamment ce range gigantesque en 3 jours lit qui a pété à la hausse avec cette bougie-là. Non seulement le range sur l'Action Price, mais également le range sur le Pinterest a pété à la hausse, qui est théoriquement presque plus grand que celui sur l'Action Price, puisque là, le bottom va jusqu'à septembre 2021, alors qu'ici, ça commence en juin 2022. Ici, on passe clairement au niveau supérieur pour ceux qui veulent trader ça, range parallèle, on prend la hauteur. On met sur le breakout et ça serait ici une target de plus ou moins 4685$. Donc on serait sur un double triple ATH ici. Donc ça c'est pour les traders, c'est plus risqué. Pour les investisseurs, toujours acheter les dips sur le Pinterest. Ici, ici, ici également. Mais là pour l'instant on est plutôt élevé, même si ce niveau maintenant pourrait devenir un support. Donc là ce qu'on pourrait faire sur le Pinterest pour que j'achète à nouveau, c'est faire un pump comme ça, hop. On reteste ici, donc on fait un truc vraiment comme ça pour que ça fasse une grosse chute, un gros désespoir sur le marché. On reteste ce niveau, stabilisation, là j'achète, d'accord? Mais là pour l'instant je garde mes positions sur Ethereum, je les incrémente pas et je laisse les whales et les planctons s'entretuer entre eux pendant que moi je mange des popcorn. Ici sur le total market cap sans Bitcoin et sans Ethereum, total 3 ça s'appelle, on est en train de tester la zone Fibonacci danger 0.58. La zone danger ça se passe ici entre le 0.58 et le 0.666. Souvent on a des trucs un peu bizarres qui se passent dans cette zone, notamment ici si on prend ce rebond là et le top, qu'est-ce qui s'est passé quand on a retesté cette zone ici? On descend zone danger, qu'est-ce qui se passe ici? Hop, rebond de combien de pourcents? 41%, et regardez comme c'est précis, on est vraiment pile poil dans cette zone avec une tige. Sur le Fibonacci, les tiges se trade, mais pas avec les breakouts, très important. Et regardez comme c'est magnifique, alors peut-être c'est du hasard, peut-être c'est totalement du hasard, mais regardez ça, ça doit être mathématique parce que là je suis un peu sur les fesses. Regardez cette zone danger ici, d'accord? Et si on prolonge, eh bien ça va pile poil sur la zone danger suivante, alors que les tops et les bottoms des Fibonacci sont pas les mêmes. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ça? Parce que c'est quand même ultra, ultra clean. Là, on passe carrément sur du underground sans faire exprès. Ouais, c'est propre. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, sur un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.